Hi, my name is Erwan Konate. I'm two-time world champion under 20. And I'm so sorry, I didn't speak English on this video. I speak in French because my English is very bad. Sorry for that. Let's go. Okay. Alors là, ouais, je m'en rappelle, c'est le cinquième, je suis pas premier. Je sais que le premier, il a 7,91. Et je me dis, oula, il va pas être champion du monde. Aujourd'hui, ça va être pour moi parce que bah, j'ai eu une année de nulle. J'ai une année nulle, vraiment nulle, qui a fait que bah, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie d'avoir ce deuxième titre de champion du monde. Et je me suis dit, tu vas pas être champion du monde avec 7,91 m. Obligé 8 mètres, minimum. Allez, c'est parti. Et là, je me dis, allez, c'est pas grave. Tu déconnectes, tu t'énerves et tu pars. Je pars. Ça pousse bien. C'est un peu bas sur les appuis. Mais ça lâche. Et là, je me dis, si c'est vert, j'ai gagné. C'est pour ça que je fais cette tête. Un peu en conquérant, en mode, ça va le faire. Le point serré, toujours. Et là, j'attends juste la perf, là. Et là, je me dis, oh, c'est parti. Mais je suis confiant parce que bah, j'ai vu le drapeau vert, c'était ma seule hantise parce que je savais que j'allais sauter loin. Mais j'avais peur de mordre. Donc là, voilà. 8,08 m. Thank you. Thank you. I'm the world champion. Boom. And I say, beep. You understand what I say. Et ouais, donc je suis avec toute la team et super content. En plus, je suis premier à avoir le titre mondial. Et donc là, je suis assis sur ma chaise et je me dis, c'est bien, mais essaye de sauter plus loin. Essaye d'être concentré. Pourtant, à l'intérieur, je suis on fire. Et voilà, profite avec le coach Robert Emian, qui a encore le record d'Europe. Et bah voilà, c'est grâce à lui, il était super content. De le voir content, bah, ça m'a rendu encore plus content et plus fier de moi. Et j'avais écrit sur mon petit dossard, I want it, I got it, I want it, I got it. Parce que bien sûr, je savais que j'allais gagner, j'étais là pourquoi ? Pour la gagne, et j'ai gagné, et j'ai tenu ma parole, et j'ai fait plaisir à tout le monde. Et voilà, je danse parce que j'adore danser, j'adore faire le show, et c'est pour ça que je fais ce sport, c'est parce que ben, quand je vois mes amis, ma famille, les gens qui me soutiennent, qui sont heureux, ben, je sais pourquoi j'ai travaillé toute l'année, et je sais pourquoi ben, je gagne. Donc voilà, c'est magnifique. Donc ouais, là je t'avoue, je m'en rappelais même plus. 8,08 m, Erwan Konate. Wouah! La cérémonie des médailles. Waouh. The Cuban, Brasileira, and me. Ah. Cette fois, ça a été différent. Là, je suis le malin. Mais juste après, je fais moins le malin parce que la première fois, on va dire que j'étais champion du monde, c'était funny. J'étais un peu innocent. But now, je fais encore le malin. Mais après, quand j'entends l'hymne national, allons, enfants de la patrie. Là, cry. Je pensais pas qu'un jour je me suis dit, ouais, il y a personne qui pleure. Enfin, tout le monde pleure, mais moi je vais pas pleurer. Mike Powell, Kim Miller. Que demander de mieux. Donc, ouais, là je commence à être. Là c'est pour les photos, vos gosses, je danse et tout. Je montre que j'ai. Le Grills. Grills, c'est 8. J'avais fait 8 parce que je savais que j'allais faire 8 mètres. Et là. Yeah, j'ai les émotions qui remontent là. Oula, je dis un gros mot. Les émotions qui remontent. Je chante. Parce que je suis fier d'être français et je suis fier d'avoir donné cette médaille à la France donc, et à la famille, à tout le monde et à moi-même surtout. Donc ouais, il y a la petite larme. Donc voilà, je suis content. Et voilà, hein. On repart pour une nouvelle année. Ben, on y est dans cette année et on y va à fond. En tout cas. Vive la France. Thank you so much.